Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Alors répondez-nous. Il est 10h57, on a encore 3 minutes d'avance. On vous avait demandé d'être là à 45 pour être sûr que tout le monde soit présent. Merci en tout cas d'être avec nous. Entendez, ça va. Effectivement, si on fait un playback et on enregistre juste après. On monte et on vous envoie. Est-ce que tout le monde entend? A priori, personne. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Bernard, bonjour Charlotte, bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, je vais vous montrer. Alors, 10h58. Voilà, que tout le monde soit connecté. Vous voyez la présentation. Ça coupe. Ah, d'accord. Alors oui, c'est bien de vous entendre. Ça coupe. Angélique. 10h59. On est pas en retard. On est en retard. Alors, attendez-vous, Thibaut. Là, c'est Angélique après, peut-être. Oui. Ah, bonjour à tous. Bonjour Bruno. Est-ce que c'est mieux quand je me rapproche? Est-ce que. Ouais, micro coupure. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pourtant, quand même. Ah, c'est interactif, hein? C'est assez moyen, d'accord. Alors, on a mis des images, on a mis de la chance. Ça, on n'est pas terrible. Alors, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'images, vitrinées, c'est surtout l'image. C'est la visibilité, vous allez voir. Même si vous comprenez un mot sur 10, normalement, vous allez tout comprendre. Surtout que vous avez une belle présentation qui a été préparée par votre marketing. Merci, Charlotte. Vous allez bien? Oui, très bien, je vous remercie. Je vous présente Charlotte. Bonjour à tous, vous avez certainement dû me voir dans la petite vidéo de présentation vous invitant à vous connecter à ce live de ce jour. On va vous présenter aujourd'hui tous les métiers de l'univers. On va faire un petit récap sur super l'image unitaire. C'est le plus important du terrain, c'est d'avoir l'image, c'est la visibilité. On va vous présenter tous les métiers différents, ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous savez ce qui est important pour une agence immobilière, c'est sa visibilité. Enquête après enquête, ce qui ressort des enquêtes et des questionnements, en tout cas, sur la sélection des agences, c'est vraiment la visibilité. Trois éléments fondamentaux. En priorité, son enseigne, son affichage en vitrine et la qualité, effectivement, du son message local. Et ça, c'est vraiment le métier du tribunal, c'est le métier historique du tribunal. Nous sommes partenaires de la semaine depuis 15 ans. Nos premiers salons. Dans les années 2000, vous présentez un premier produit que vous avez connu, je pense, et que vous avez pour la plupart, puisque 75% des agences en France sont équipées de porte-affiches vitrine média. C'est un petit panneau d'affichage qui permet d'éclairer une annonce. Et donc, ça nous permet vraiment d'être visible. Et vitrine média, au fur et à mesure des années, Vincent va nous dire si on m'entend bien, a développé de nouveaux produits et de nouveaux services que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, l'image est nickel. Est-ce que le son est à peu près correct? Est-ce que vous m'avez entendu? Confirmez-moi que vous l'avez à peu près décodé. Oui, super. Merci, Bruno. Enfin, il y en a un qui a pu entendre, mais j'espère que vous entendez tous. Pas terrible son. Vincent, je vais essayer de me rapprocher. Vous avez des images. Donc, la visibilité, c'est le métier de vitrine média. C'est bien sûr le porte-affiche. On va passer en deuxième page, Charlotte. La visibilité, c'est effectivement notre priorité, votre priorité, parce que voilà, le client qui passe dans la rue, il a besoin de choisir son agence. Et il va bien sûr s'intéresser aux agences autour de lui et choisir celle qui va se différencier, se démarquer. Alors, la visibilité aujourd'hui, l'affichage en vitrine, on en a parlé, c'est le porte-affiche, mais c'est aussi la possibilité de passer des messages dynamiques, donc de la vidéo, dans les vitrines. L'importance de la vidéo aujourd'hui, c'est elle est connue, elle est reconnue. Et aujourd'hui, le modèle, on va dire que le standard, c'est devenu l'affichage porte-affiche avec l'écran LCD qui permet de marier une communication à la fois institutionnelle sur l'écran LCD et un affichage
chasse plus classique, c'est plus important. On va perdre les clients, il faut les rassurer. Et bien, on va pouvoir positionner des mandats dans les portatifs. Donc aujourd'hui, vraiment, cet affichage mixte, affichage dynamique et affichage LED, donc éclairé, est aujourd'hui la référence. C'est ce que l'on fait chez Mixed LED depuis des années. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, et qui est très important, c'est la communication au travers aussi de l'enseigne. Aujourd'hui, Vitry Media est capable de vous proposer des enseignes, que ce soit des enseignes FNEI, on va voir que des enseignes classiques, à pouvoir effectivement afficher, éclairer et vous mettre en avant au travers d'une enseigne. Georges, qui est tout au fond et que vous voyez derrière moi, vous voyez, vous ne l'entendez pas encore, mais on va vous parler des enseignes chez Vitry Media. Et la signalétique enseigne, c'est une activité importante de Vitry Media. On a équipé près de 500 agences, pour la plupart, pour beaucoup, en région Île-de-France, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de dynamique. Il n'y a pas de problème, on peut aller chez vous, en province, en dehors de Paris, vous équiper avec de très belles enseignes. Alors, la visibilité au sens large aujourd'hui, c'est deux choses. C'est aussi la communication digitale. Vous devez être visible au sens large sur le digital. Et on a toute une gamme de produits qui a été créée ces derniers mois. C'est la gamme Visible avec 2B. C'est notre nouveau bébé, Visible. Et donc, Laurent, qui n'est pas très loin, qui est derrière, va vous parler de Visible. Et donc, on a plein de services de visibilité digitale. Ce sont des services très innovants. On va vous en parler parce que pour nous, il faut être digital aujourd'hui, il faut être très implanté localement, très visible localement, mais bien sûr, il faut s'appuyer sur le digital parce qu'on sait qu'on connaît l'importance du digital. On a vu ces derniers mois, ces dernières années, le digital a pris. Donc, il faut absolument marier les communications digitales et locales. Ça, c'est juste après le visible. Enfin, vous dire que la visibilité principale, c'est vous, c'est vous démarquer, c'est vous mettre en avant. On organise très régulièrement des conférences, des formations sur VM Excellence. Donc, je vous invite tous les 3 semaines, on organise des très belles réunions de formation dans le cadre du VEM Excellence, dans lequel vous allez pouvoir effectivement découvrir de nouvelles méthodes, ou en tout cas améliorer votre méthode. On sera ravis de vous y retrouver. Enfin, vous parlez du palmarès de l'immobilier. Le palmarès de l'immobilier, c'est un événement qu'on co-organise et on le fait bien sûr avec la FNEM, qui est partenaire officiel du palmarès de l'immobilier. Le palmarès de l'immobilier, c'est l'événement de l'année prochaine. Pour mettre en valeur les bonnes pratiques dans l'immobilier. Et Vitry est ravi d'être l'organisateur de cet événement. Donc participez, inscrivez-vous sur le palmarès de l'immobilier, vous tapez sur Internet et vous allez trouver le site web et donc pouvoir vous inscrire pour cette année, c'est très important. Voilà, la visibilité de l'agence, c'est capital et c'est notre métier. On continue sur ça. On continue sur la slide qui suit. Alors, des exemples d'organisation. Et oui, Charlotte, c'est important de montrer des exemples. Parce qu'on parle beaucoup, mais il faut vous montrer des images, surtout si vous n'entendez pas. C'est vrai que si vous n'entendez pas, vous avez vraiment des images. Alors, ce que je vous ai mis tout à l'heure, et on le voit ici, et on le fait. On a un écran dynamique à droite, très beau, très bel écran, avec un message institutionnel à gauche de l'éclairage. Effectivement, LED, avec un peu de temps, on va pouvoir relayer des mandats, mais aussi parfois un peu de communication institutionnelle. Il n'y a pas de raison de mettre en avant vos talent de l'agence. Ici, on a un bel exemple d'une agence qui on a tout refusé et on a travaillé l'aménagement de l'agence, en particulier enseigne. Vous voyez une belle enseigne et puis aussi un enseigne drapeau. Vraiment, l'agence, son attractivité, c'est vraiment important et ça passe par faut donner envie de rentrer dans l'agence. Peut-être un peu fort, mais c'est parce que je suis pas sûr qu'on entend. Est-ce que tout va bien? Je pense que tout va bien. Encore une fois, un beau client et une belle réalisation de Maurice Immobilier à Paris avec de l'affichage LED, lumineux, de l'affichage dynamique et de l'enseigne, encore une fois. Vraiment des agences qui donnent envie de rentrer dans l'agence. C'est vraiment important. On continue, Charlotte. C'est maintenant le tour de vous. On va vous parler de l'agence de communication parce que, oui, il y a des produits qui supportent la communication, mais c'est une agence de communication au service des professionnels de l'immobilier. Et on va vous accompagner sur tous les pans de la communication, pas simplement la vie, pas simplement l'enseigne, mais aussi tout ce qui vous permet d'être visible. On parle de flyers, de tout ce qui vous
permet de viser, on va jusqu'à effectivement décorer votre agence. Donc, Georges. Oui, c'est important les codes. Je reprends sans doute. C'est saccadé avec effet tunnel. Ah, c'est sympa. On entend mieux ici. Est-ce que vous entendez mieux ici? Est-ce que vous nous entendez mieux ici, effectivement? Est-ce que voilà. C'est mieux? On va faire comme ça. Ah, ben voilà, super. Bon, voilà. Donc, je vous ferai un petit résumé à la fin, ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est à Georges. C'est toujours ici. Georges, rapproche-toi. Mais c'est ça, Vitrine Média, on se rapproche. En fait, le métier de Vitrine Média, c'est de vous rencontrer, de venir vous voir, de passer du temps avec vous, d'analyser vos besoins en communication. Georges, ça fait quoi? 50 ans que tu fais ce métier? 60, c'est ça, hein? 70, c'est à peu près. Et donc, tout le monde te connaît à Paris. Mais tout le monde te connaît et ton métier, c'est d'être le référent de communication des agences immobilières. Voilà, c'est ça. On a démarré notre activité sur ce thème, l'agence de communication des agences immobilières. Donc, une agence pour un métier, ce qui n'est pas toujours évident. Mais on essaie donc de proposer un panel de services. Ça commence bien évidemment, pour ce qui vous concerne, par tous les éléments FNAIM qu'on met à votre disposition sur le site vitrinemedia.com. Donc on parle là essentiellement du logo du cube FNAIM, qui va être lumineux ou pas. On va le retrouver également en déclinaison logo mural. Et on a également un logo en forme de lampe, soit posé sur table, soit suspendu. Donc tous ces produits sont en ligne sur le site de Vitrine Média. Et la Vesta, c'est une bonne… Cliquez sur la page qui suit. Alors, un bon exemple, effectivement, on en parlera après. Alors, dans le détail, tu as parlé de tous les produits de communication. On a lancé, bien évidemment, on en a parlé. Je ne sais pas si on m'entendait, mais ça, c'est important, la signalétique. Alors, si vous voulez, en dehors des produits purement FNAIM, nous travaillons beaucoup sur l'image de l'agence, comme Thibaut vous l'a montré. Et ici, vous avez un certain nombre de produits, une enseigne drapeau, City Life. Réseaux qui s'est créé. Tout à fait. Des logos intérieurs, c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus. Ce sont des logos muraux qui viennent agrémenter l'intérieur de votre agence. Tous ces produits sont des produits LED. Et franchement, c'est quelque chose, c'est un effet waouh dans une agence. Le DF que vous voyez en bas à droite, c'est un élément qui fait plus d'1,50 m. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. On pense à la signalétique à l'extérieur, mais en intérieur, rarement. Donc, enfin, de plus en plus aujourd'hui, les agents immobiliers font très attention à la décoration de leur agence. Ils épurent leur vitrine afin qu'on puisse voir l'intérieur de l'agence. Et c'est une tendance maintenant qui continue. Clair. Donc ça, ce sont les premiers produits signalétiques. Donc voilà, ça, ce sont les logos intérieurs et une enseigne drapeau. On peut passer à la slide suivante peut-être. Super. Donc voilà, les autres produits de l'agence, ce sont les produits classiques, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de tout ce qui est print, c'est votre papeterie, ce sont vos mailings, on va un petit peu plus loin en amenant des services comme la distribution, la diffusion de ces mailings. Les contenus vidéo, évidemment, c'est très bien d'avoir un bel écran LCD, c'est encore mieux quand on sait quoi mettre dedans. Le contenu, c'est important. C'est essentiel. Voilà, donc on est tout à fait capable aujourd'hui chez Vitrine Média de créer votre logo et ensuite de le décliner jusqu'à votre site internet, par exemple. Ça a été le cas pour cette agence Face à la mer. Donc c'est une offre globale. C'était une offre globale, voilà. On est parti d'un logo pour en faire une enseigne, un site internet, de la papeterie, des mailings. Top. Voilà, donc c'est vraiment l'agence de communication des agents immobiliers. On est là, on peut répondre à l'ensemble de vos besoins de communication. Alors, on a aussi, il faut en parler, une signalétique spécifique pour la FNAIM, et c'est Vitrine Média qui aujourd'hui propose cette signalétique FNAIM. Tout à fait, elle est en ligne sur vitrinemedia.com et Charlotte vous partagera le lien. C'est là où on trouve tous les produits de signalétique autorisés par la FNAIM. Donc, on a, alors on va les citer quand même chacun.
On a. Est-ce qu'on livre à La Réunion? Ben, pourquoi pas, bien mais, sûr. Mais bien sûr, on livre, on livre partout. En personne, d'ailleurs. C'est moi qui viens vous l'apporter. Bernard est lauréat du palmarès de l'immobilier. Et ben voilà. Les Dromcom. Voilà. C'est l'occasion de venir. Je vais prendre. On livre partout. Il n'y a pas de raison, bien sûr. Alors, porte-drapeau, c'est ça, à droite? Voilà, ici, on a le drapeau Fnaim. Donc, il est soit lumineux, soit non lumineux. Vous avez le logo mural qui peut se trouver à l'intérieur comme à l'extérieur de votre agence. Ouais. Généralement, il est utilisé lorsqu'on n'a pas forcément possibilité d'utiliser un drapeau. C'est lumineux ou pas lumineux? Le logo est également en version lumineuse et non lumineuse. On a les deux. Donc les deux, effectivement, à gauche, vous avez effectivement cette enseigne au mur, et soit lumineuse ou non lumineuse. Voilà, vous avez ensuite le VM Fnaim, donc le cadre produit par Vitrine Média essentiellement pour les agences Fnaim. Oui. Donc il se positionne en vitrine ou au mur. Là, on a un exemple au mur, mais ce porte-affiche peut se positionner dans la vitrine et ça rappelle vraiment, forcément, c'est en termes de forme, c'est quoi comme forme? C'est un losange. C'est un losange, très bien. Un losange, on va dire. Très bien, on suit, Georges, c'est bien. Donc un losange, et ça se positionne dans la vitrine ou au mieux. Voilà, et puis vous avez l'ensemble des produits, donc avec leur déclinaison et avec les tarifs qui sont également. Donc on peut tout acheter en ligne. On peut tout faire en ligne. Super. Ok, facile. Alors la vitrine digitale, Georges, ça c'est pas toi, non. C'est Laurent. Alors viens à côté de moi, Laurent. Viens nous présenter toutes les offres et les services de visibilité sur le digital. Voilà, au tout début, et je vais faire un petit résumé puisqu'on ne m'entendait pas au début, j'ai l'impression. Le métier de vitrine, c'est la visibilité de l'agence. Bien sûr, sa vitrine locale, ça a été la clé, ça a été vraiment le lancement de Vitrine Média il y a plus de 15 ans. Comme je le disais, 75% des agences sont équipées sur les premiers produits Vitrine Média de vitrine, donc les porte-affiches. Mais depuis, on est passé sur le dynamique, donc on a pu positionner de la vidéo dans les vitrines. On a parlé de la signalétique. Et aujourd'hui, vraiment, il faut aussi être présent en ligne. Le digital, c'est important. On a développé toute une série de services sur le digital cette année et demie écoulée. Et aujourd'hui, on vous les présente. Et voilà. Et n'oubliez pas que c'est complémentaire et que le digital, c'est vraiment l'alliance entre le physique, le local et donc le digital. Laurent, à toi. Eh ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laurent Cohen. Je suis plus dédié à la partie digitale chez Vitrine Média. Effectivement, la partie vitrine dynamique et donc la digitalisation de votre point de vente fait partie intégrante de notre stratégie de développement. Le LCD en vitrine existe depuis très longtemps. Il est arrivé à maturité il n'y a que quelques années. Et aujourd'hui, on a déjà plus de 5000 agences immobilières qui ont digitalisé leur vitrine. Donc, le nouveau standard, effectivement, c'est un affichage mixte qui va prendre en considération la problématique de visibilité et de communication digitale à travers le LCD ultra haute luminosité, d'accord, avec différents formats. On va démarrer au 49 pouces, 55 pouces, 75 pouces, donc avec des formats qui varient de 1 mètre à 2 mètres de large à peu près, d'accord, et couplé évidemment, comme je vous l'ai dit, avec de la vitrine lumineuse. L'intérêt de cette solution, c'est que c'est une solution métier qui va être totalement connectée à votre système d'information, c'est-à-dire votre logiciel de transaction. Tous les jours, vos nouveaux mandats vont arriver sur la vitrine. Une fois un mandat vendu, il va disparaître de la vitrine, d'accord? On peut même afficher éventuellement des produits sous offre ou vendus, etc. en vitrine. Et on va mettre à votre disposition une banque de données qui s'appelle VM Library, qui va être en fait du contenu vidéo métier standard, prêt à être diffusé pour être certain que vous ayez une communication ciblée et qui met en valeur votre service. Confiez-nous la vente de vos mandats, toute l'animation autour des événements, les fêtes des mères, les fêtes des pères, les joyeux Noël, etc. Tout ça fait partie intégrante de l'offre d'affichage digital. Et ça porte le nom de Visible Display. Voilà. C'est la première offre digitale Vitrine Média. Voilà, et la première offre digitale, c'est effectivement autour de cette marque digitale qui s'appelle aujourd'hui Visible. C'est la nouvelle marque digitale de Vitrine Média. La première solution qui est déjà très bien déployée, c'est donc Visible Display qui gère le contenu de vos écrans de manière totalement automatisée. Alors ensuite, la sphère Visible est une sphère digitale extrêmement large. Pourquoi ? Parce que la problématique de digitalisation de votre activité, vous professionnel de l'immobilier, est aujourd'hui beaucoup plus large que le simple fait d'avoir une agence physique. Notre volonté, ça a été évidemment d'accompagner la transformation de nos clients. Vous vivez une transformation digitale depuis quelques années et avec la crise du Covid, la digitalisation est devenue plus que nécessaire. Donc, Vitrine Média, évidemment, a agi dans le sens pour déployer les meilleures solutions pour nos clients. Et nous avons créé donc une suite de solutions
autour de la marque Visible que je vais vous décrire très rapidement, mais qui nécessitera évidemment des compléments d'information, et on est à votre écoute en fin de réunion éventuellement pour vous renseigner plus précisément. La première solution qui va être couplée à l'affichage display, ça va être la partie print. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on communique sur des écrans LCD, nous avons des formats d'affichage qui sont spécifiques au LCD, au numérique. Et nous avons voulu répliquer toute l'ergonomie et la manière dont on présente un mandat sur un LCD pour le rebasculer sur la partie papier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer des affiches papier qui vont respecter les standards d'affichage du numérique pour que vos clients se retrouvent dans un univers parfaitement harmonisé, d'accord ? Et vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir imprimer à travers une dizaine de templates directement qui sont prêts à être imprimés, des affiches vitrines de qualité professionnelle et au nouveau standard, avec le QR code qui va vous permettre de rendre vos vitrines interactives, etc. Donc ça, c'est Visible Print, et on parlera au niveau de la partie tarifaire, très accessible. Visible Display, j'en ai dit deux mots tout à l'heure. Visible Data, qui est une offre qui va arriver sur la fin d'année, c'est un système très pointu que nous avons développé avec des partenaires spécialisés en solutions de capture. À quoi ça sert ? Alors, l'objectif, c'est d'avoir placé en fait des caméras masqué derrière chaque vitrine, et cette caméra en fait va scanner l'ensemble du trafic de votre agence, c'est-à-dire le nombre de passants, le nombre de personnes qui s'arrêtent, le nombre de personnes qui regardent la vitrine. À quoi ça sert ? Et l'objectif, c'est de pouvoir délivrer un certificat de performance de vitrine, d'accord, pour vos futurs vendeurs. C'est-à-dire que nous allons capter cette donnée et ensuite vous allez pouvoir garantir, par exemple, 100 000 passages et, je sais pas, 10 000, par exemple, passants qui regardent plus de 3 secondes vos affiches en vitrine. Donc, c'est une garantie de performance que les gens 100% digitalisés en web, etc., ne peuvent pas faire, et votre agence devient un argument extrêmement intéressant. Oui, c'est un argument pour vendre une exclusivité, pour dire, voilà, je vais vous mettre en vitrine, il y a un trafic, il y a une audience de temps, donc l'audience, c'est ceux qui s'arrêtent, le trafic, c'est ceux qui passent devant, et donc vous allez pouvoir vendre vos exclus de cette façon. Enfin, si vous avez une vitrine et que vous communiquez en vitrine, eh bien, vous aussi prouvez le trafic et le ROI, et donc ça vous permet de connaître ce trafic. Exactement. Et cette audience. Donc, c'est sur un format de mission, nous intervenons pendant 4 mois, nous capturons la totalité de la data de votre vitrine, ensuite, elle est analysée, structurée, et nous vous délivrons un certificat de visibilité que vous pouvez exploiter à l'entrée de mandat. Ça permet aussi de valoriser votre fonds de commerce, puisque ça devient un actif certain sur votre capacité à communiquer localement. Très intéressant. Ça, c'est Visible Data. Ensuite, on a Visible Audit. L'audit, c'est on est dans l'univers 100% digitalisé. On fait beaucoup de choses sur Internet. On connaît les problématiques des sites d'annonces, des visites virtuelles, des réseaux sociaux. Eh bien, Visible Audit, c'est une petite mission très abordable qui, en fait, analyse 50 indicateurs de votre performance digitale. Nous allons pouvoir balayer l'univers digital de votre agence, votre site internet, votre indexation sur internet SEO. On va regarder vos réseaux sociaux, quel type de médias vous utilisez sur vos annonces. Énormément d'indicateurs qui ne sont que des indicateurs publics. Vous n'avez rien à faire. Et cette petite prestation de service, pareil, va vous permettre d'avoir un état et une note, tout simplement, globale sur la performance digitale. C'est le premier indicateur de performance digitale 100% immobilier. C'est Visible Audit et ça sera disponible dès septembre. Donc, ça permet d'avoir un petit bilan à date et de se dire, voilà, quelles sont mes priorités, où est-ce que je vais investir. Donc, c'est un petit budget, ouais, d'accord, vers les budgets presse, petit budget, ça peut se faire rapidement et ça vous permet de vous positionner, d'avoir un bilan, voilà, à date de votre performance digitale. Exactement, et ça vous permet de suivre en temps. Donc, c'est vraiment le type de mission qu'il faut faire une fois par an, peut-être, pour savoir où vous en êtes dans votre performance digitale. Super. Ensuite, on a l'offre Visible 360. La 360 est un marché qui a explosé, évidemment, depuis un an. C'est la généralisation de la visite immersive. Nous avons développé la solution la plus simple et la plus accessible pour que toutes les agences immobilières puissent déployer de manière systématique de la visite 360 immersive à travers une plateforme unique. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de matériel pour capturer ces images, un iPhone éventuellement avec Google Street View, mais ou peut-être des caméras Theta de chez Ricoh qui sont très accessibles. Et la plateforme Visible va vous permettre de réaliser le montage et la diffusion, d'accord, de cette visite 360. Donc, c'est une solution tout à fait, donc encore une fois, standard aujourd'hui. Nous souhaitons avec cette solution généraliser la visite immersive pour améliorer l'expérience client et acheteur. Très clair, Laurent. Enfin, et j'ai peu de temps, donc voilà, à venir. Donc là, c'est ce qui va arriver sur la fin d'année.
mais vous êtes les premiers à être au courant. Visible Ads est une plateforme de promotion de votre offre mandat sur les réseaux sociaux. Nous avons voulu simplifier, pareil, encore une fois, la démarche de promotion de vos mandats sur les réseaux sociaux pour vous éviter de gérer des campagnes Ads sur Google Ads, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Tout ça devient très, très compliqué. Donc, nous avons voulu intégrer sur une seule et même interface de manière la plus simple possible, la possibilité de définir un budget de communication qui va démarrer à 100 €, qui va être très accessible. Vous n'aurez plus qu'à choisir le budget, la période de diffusion, d'accord? Et on s'occupe de tout. Donc, avec un programme d'intelligence artificielle, nous allons optimiser votre budget pour que vos mandats soient promus sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur la période de votre choix et dans des budgets maîtrisés et de manière totalement centralisée. Un service clé en main pour vous. Clé en main et 100% immobilier. Et puis enfin, Visible Pilot qui va arriver sur la fin d'année aussi. Là, on ne parle plus de publicité, mais d'animation, de vie de vos réseaux. Nous avons développé en partenariat avec une plateforme, un système d'intelligence artificielle qui va vous permettre tout simplement d'animer vos réseaux tous les jours en ayant la garantie d'avoir une publication parfaitement en lien avec votre localisation, votre activité, votre cible, d'accord, et que l'ensemble de vos réseaux vivent au quotidien de manière 100% automatisée et pareil, dans des budgets qui sont extrêmement maîtrisés. C'est très clair, Laurent. Merci beaucoup pour cette présentation de la gamme Visible, qui est vraiment la nouvelle branche d'activité de Vitrine Média et qui est complètement complémentaire de celle que vous avez connue, effectivement, qui était Vitrine Locale. Voilà, donc ça vient se renforcer. On reprend là les caractéristiques avec les… Qu'est-ce qu'on peut dire globalement ? Visible Print, c'est pour imprimer, éditer, imprimer des affiches en vitrine pour 10 € par mois. On a une solution d'affichage dynamique en vitrine, incluant ici effectivement le matériel, l'installation, la maintenance, le service, le logiciel, tout compris. Voilà, on est autour de 150 €. On a même des budgets un peu moins chers. On a aussi Visible Data qui est une solution, donc on en a parlé tout à l'heure, pour mesurer le trafic devant l'agence, 1 000 €, voilà, sur 4 mois. C'est une mission de 4 mois. Mais c'est vraiment, ça donne vraiment un ROI et des data importantes pour aller générer du lead et surtout des exclusivités. Et puis ça vous permet de mesurer, si vous avez 2-3 agences, ça vous permet aussi de mesurer la puissance de communication locale de chaque point. Enfin, un tarif name sur audit, donc l'audit digital, donc à 300 €, 299 €. Voilà. Ça vaut le coup de le faire, c'est pas cher, ça permet de savoir quelles sont les priorités. Où nous en sommes. C'est très clair. On avance, on en a parlé, la 360 aujourd'hui, l'outil de 360, donc tu nous as parlé Laurent, c'est 49 € par mois, voilà, un petit budget. Hein, petit budget, qui donc permet de faire des visites virtuelles, jusqu'à 75 mandats, très clair. 3 conseillers et vous pouvez voilà. Vous lancer. Et puis on vous propose des nouveautés en fin d'année, mais on aura l'occasion de se reparler, donc on n'ira pas plus loin aujourd'hui, mais en tout cas vous avez déjà un panorama des services à venir. C'est parti. Alors, une question. Non. Alors, vous avez posé des questions. On va les prendre de toute façon, toutes vos questions, vous inquiétez pas. Ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est effectivement les nouvelles de ces derniers jours, vous l'avez entendu. Le blason Vesta est de retour. Pour nous, c'est alors une grande fierté déjà d'avoir pu le produire avec la FNAIM. Ça incarne effectivement la visibilité non seulement de l'agence, mais c'est de la profession. Et donc, c'était très important, je trouve. Cette initiative était pour nous une initiative qui était louable et puis surtout qui permettait et qui vous permet d'être visible. Donc vraiment, on est vraiment dans cette logique d'identité. Très content que ça puisse repartir de l'avant. Et donc le blason de la profession, c'était Vesta et donc il ressort. Voilà, c'est prochains mois. On aura l'occasion et on est ravi de pouvoir effectivement produire ce blason pour votre profession. C'était une information importante à faire passer. C'est ce que l'on fait ici. Voilà. Le communiqué de presse, je vous incite effectivement, vous encourage à regarder en ligne, il y a plein de choses dessus, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle et puis voilà, on marche main dans la main l'ensemble de la profession avec cet insigne qui repart. Voilà, c'était l'information du jour importante. Est-ce que vous avez des questions? On a fait assez vite et efficace, je le souhaite. Excusez-nous pour le début où ça a été a priori coupé, mais retenez bien que le métier de vitrine, c'est la visibilité. Pensez à nous dès que vous avez un sujet de visibilité. On a beaucoup de clients qui commencent chez nous en achetant des porte-affiches et puis après ils se disent « mais comment je peux dynamiser ma vitrine ?» On leur vend des écrans LCD en vitrine et ensuite ils nous disent « mais comment est-ce que je peux aller plus loin ?» Et on va leur vendre des enseignes et après ils me disent « mais je comprends pas, mais comment je peux faire maintenant ?» Et on va voir Georges qui est là, Georges. Est-ce que tu es sympathique, Georges? Georges est très sympathique. Et Georges s'occupe de l'agence de communication. Il sera ravi de vous accompagner en toutes vos démarches de communication en sens large. Et puis enfin, vous passez par le digital. Et on a Laurent, on a toutes les équipes chez Vitrine Média. Sachez que Vitrine Média, c'est 200 personnes. 100 personnes en France, 100 personnes à l'international dédiées à votre service. Notre métier, c'est
c'est de faire le meilleur, le plus beau produit, dans les meilleures conditions. Faites appel à nous dès que vous avez une problématique de visibilité. On sera ravis de vous accompagner et d'avoir du plaisir à partager, voilà, et à partager vos problématiques et à vous apporter des réponses de qualité, encore une fois. Merci Léa, merci à tous, merci d'avoir été là. Merci Charlotte d'avoir préparé cette très belle présentation. Inès qui est là, merci Inès. Et merci à tous et puis surtout participez au palmarès, je vous l'ai dit. Et le club VEM Excellence, c'est toutes les 3 semaines à peu près. Et en général, c'est sympa, donc soyez là. On sera ravis de vous y accueillir. Bernard, merci d'avoir été là. Merci à tous. Passez une bonne journée et puis de bons congés à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.